Salut à tous, c'est Harmonium, donc la nouvelle vidéo donc sur Blade and Soul, hein, donc on se retrouve comme j'avais dit, donc pour la quête de classe. Donc là je suis rentré dedans, je viens de trouver une bombe direct déjà. Et donc ouais, donc c'est une petite instance avec pas mal de mobs, hein, on va voir ça. Hein. Des mecs avec des charges et tout, bon, c'est du cac, hein, ça va pas nous poser trop de problèmes, hein. Il lâche des bombes en plus, donc c'est pas mal. Je rappelle, une bombe, ça fait de gros dégâts sur un gars. Hein. Je sais pas si ça le stun. Si, ça le stun en plus. Regardez, il va encore lâcher une bombe. Lui, on va le dégager. On va les empêcher de jouer au maximum. Hein. Comme d'hab, hein, c'est ce que j'aime faire. D'ailleurs, je suis niveau 15. Je pense que j'ai accès au PVP. Je vais regarder ça tout de suite. Attendez, je vais finir ce gars vite fait. Alors, ouais, j'ai accès au PVP, donc je finis ça et si on a le temps, je fais un combat. On va voir ce que ça va donner. Donc là, on tombe sur des mecs qui bloquent. Hein, c'est un petit peu des gars améliorés, on va dire, qui savent jouer un peu mieux, quoi. C'est pas de vulgaires mobs qui ne savent pas se défendre. Donc là, faut aller en haut, j'imagine. On va sprinter. On va essayer de faire un pack. Hein. Petit. Allez, venez tous. Ok, faut que je les pack bien. Hein. C'est comme ça que... Bon, ça devrait faire l'affaire. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Ok, qu'est-ce qu'il veut lui? Tiens, dégage. On va le ralentir. Bah même pas besoin, hein. Tiens, il est mort en fait. Bon, il y a sûrement un petit boss dans le coin, j'imagine. Hein. Syndicat. Non, lui c'est un. Lui c'est un porteur de bois. Et lui, son mec, ce gars-là, il aime bien porter le bois. Tiens. Ouais, il est mort direct, ok. On va les congeler les deux. Hop, skill 1, ils sont stun, repoussés. C'est pas mal. Ok, moi j'aimerais bien qu'il y ait un petit boss, ce serait quand même sympa. Un gros truc avec 3000 points de vie, j'aimerais beaucoup quoi. Bon bah eux, je vais les cramer. Hein. Skill 1. Je crois que j'ai fait une évasion là. D'ailleurs j'avais pas vu ce que c'était l'évasion la dernière fois. Je vais regarder vite fait ce que c'est. Évasion, alors qu'est-ce que c'est? Ok, bon bah c'est comme dans... C'est comme dans Terra en fait, donc voilà, donc si vous êtes stun ou vous tombez par terre, vous avez un skill en fait, où ça vous relève avec un cooldown, et donc voilà, vous faites des dégâts autour de vous, donc rien d'incroyable, hein. Je l'aurais vu à l'écran de toute façon, j'ai jamais encore été stun, donc on va la dégager. Donc là, à mon avis, j'aurais pas amélioré mon arme, je ferais moins le malin, à mon avis. Hein. Je pense que j'ai une arme ultra cheated, ça me permet de faire quand même des trucs un peu abusés, je pense. Hein. Ok, j'ai plus beaucoup de vie, je vais quand même péter la bombe, je vais tuer le mec vite fait. Ils sont deux, c'est ça? Ok, l'autre, son pote, il en a rien à secouer, en fait. Il en a rien à secouer, bon, ok, on va bouffer devant lui, même. Alors on mange des gâteaux de riz, un truc comme ça. Et donc ça va nous régène au maximum. Voilà. On va continuer. Et donc après je lance un combat PVP en arène, on va voir ce que ça donne. Bon, on va pas tous les tuer alors, hein. Ça sert un peu à rien. Bah l'XP monte bien hein, quand même, hein. Regardez ma barre d'XP quand même, on a juste tué des mobs hein, pour l'instant, on n'a pas rendu de nouvelles quêtes hein, depuis la dernière vidéo, donc Ah, là c'est une instance, ok, donc là c'est seulement l'instance de clash, donc je pense que si vous jouez pas ma classe, vous n'avez pas accès à cet endroit là, je pense. Je suis pas sûr. Hein. Je pourrais pas vous dire si toutes les classes ont la même zone. Petit scarabée. Paume ardente, fleur de feu te permet de faire exploser des braises accumulées sur un ennemi à distance.
Inutile d'utiliser Flor. C'est assez difficile à... C'est le skill, le skill set que je faisais déjà, donc il n'y avait rien de... Il suffit juste de... En fait, le mec, il a un truc sur lui, en fait, et ça détonne au bout d'un certain temps. Rien de spécial, quoi. Je l'utilise pas, moi, personnellement, parce que ça m'intéresse pas. Je préfère congeler le mec, lui mettre les 5 braises, et ensuite faire le skill 1 qui, là, repousse le gars et lui a fait de gros dégâts, quoi. C'est un cumul total. Tu as été un disciple formidable. Maître Hong savait que tu as... J'aimerais partir. Où est-ce qu'il va, lui? Il se passe quelque chose dehors? Ok, là on le suit, il y a peut-être d'avoir la baston. Bon, le mec il se prend pour Sonic. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Un gros boss, s'il vous plaît? Un truc énorme? Tu perds la main? Moi je perds pas la main, donc ça va aller, je pense. Hein. On va tous les tuer, hein. Ok. Est-ce qu'il faut l'escorter jusqu'à la sortie? Il faut lui parler. Bah si, ils sont en colère parce que je les ai démolis, les gars. Bah la diplomatie, non. Ici on tabassait. Bah voilà, là c'est très bien. Ça, c'est des très bonnes idées, petit. On va tabasser tout ce qu'on peut. Accélérons un peu. Ah ouais, mais bon. Moi j'ai pas ta vitesse, mon petit gars. Je sais pas où tu l'as trouvé ta vitesse, mais ce serait bien de partager. Hein. Et du coup il se fait attaquer. Ça risque d'être difficile. C'est vrai que c'est dur. Hein. Heureusement qu'il était là quand même. Ah ok, donc là il y a un boss là par contre. On va les congeler, on va faire comme d'hab. Hein. Il a deux barres en dessous, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, rien, bon je sais pas. Bon là c'était quand même facile, c'était un peu abusé, j'ai trouvé même. On va lui parler. Oh non, c'est pas intense mon petit. Hein. Ok, bon bah là on se tire. On va planer. Aïe, ok, j'avais de l'avance, il m'a devancé. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a l'énergie violette autour de lui. Ah d'accord, il a été blessé au début du jeu et il va mourir maintenant. Je crois que la corruption me transforme en ombre. Je devais te trouver. Je suis désolé, petit scarabée. Je n'ai... Mais toi... Il va mourir devant nous, le pauvre petit. Adieu, non, ne meurs pas. Ah, on va voir la vidéo, il va mourir. Oula, oui. Là, il a des fuites, là. Il va se transformer en monstre? Oula. Moment émotion. Ah, il y a son âme. Ah oui, c'est triste. Hein, c'était nous le petit scarabée. Maintenant, c'est lui le scarabée, quoi. Bon, bah on va se tirer, nous. Hein. On va se tirer. On va lancer du PVP, du coup, pour se détendre un petit peu la séance émotion. Parce que là, c'était trop dur. Bon, j'arrive pas à faire un saut dans cette caverne. Ok, nous voilà sortis. Bon, PVP, alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me faire démonir la tête? Non, est en cours. Toutes les caractéristiques des joueurs sont établies selon les normes de la compétition. Voulez-vous rejoindre le salon de duel? Ouais, je veux rejoindre le salon. Allons voir ce qui va m'arriver. Est-ce que je vais me faire démolir par des gars, en fait, ou est-ce que je vais gagner? Rien n'est moins sûr. Alors, le salon de duel, je sais pas à quoi ça va ressembler. Première fois que je lance ça. Match en solo 3 contre 3. On va essayer de faire un match en solo en premier.
Même si je pense que je peux être pas mal en groupe. Recherche d'adversaire. C'est bon, c'est parti. Alors là, attention, adrénaline au maximum. Je me bats contre point d'interrogation en plus. Vous avez rejoint le tournoi mondial d'arts martiaux. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, c'est un assassin, l'autre. C'est bon, je suis prêt. On verra, je sais pas trop ce qui va m'attendre. Hein. Je connais pas trop la classe assassin non plus. Ok, oui, je comprends, on n'a pas le droit de potion. Ça, c'est une bonne chose qu'on n'a pas le droit de potion. Hein. Ok, on fait comme les mobs. Hein. On va le dégager. Ok, ça c'est chiant par contre, ce qu'il me fait ça. On va lui mettre les bras qui explosent du coup. On va le dégager. Lui, nous aussi on va la route. Hein. Là, on est dans la merde. Là, je vais mourir. Bon, bah, assassin, c'est quand même pas mal. Hein. On l'a quand même, on l'a mis à 18% de vie. Je sais pas s'il avait... des skills de plus que moi ou pas, ou est-ce qu'il était de mon niveau, je sais pas trop comment ça fonctionne. On va refaire un combat. Le problème, c'est que j'étais route, il me tapait dans le dos et tout, je pouvais pas trop lancer de skill. Il a mis une mine terrestre là. On va faire le mur de feu. Condition non remplie pour utiliser l'objet. Je sais pas où il est. J'attends un petit peu. Ok, il va arriver par là. Mur de feu. Je commence un petit peu à... Il se rend fufu. Ça, ça fait mal, ça. Ça, c'est son truc ultime, hein. Vraiment, ça, c'est son truc, vraiment. On va peut-être réussir à l'avoir. Hein. Là, il doit être dans le coin. Ok. On lui met les braises qui explosent toutes seules.
Yes. Bon là on l'a eu cette fois. Hein. Je sais pas combien de matchs il y a. Je mec, je suis prêt. Bon, quand on commence un petit peu à comprendre comment le gars joue, ça va déjà mieux. Allez, brûle mon pote, brûle. Ok, bon. Le mur de feu dès que je peux. Et tout le temps fufu, c'est compliqué. Hein. Il est plus fufu que, que le match d'avant. Là. Là j'arrive pas du tout. Non je vais mourir. Bon m'a bah, perdu de l'XP quand même je crois. Hein. C'est pas mal. Hein. Donc un pour deux. Hein. Il a gagné deux fois. J'ai gagné une fois. Bon c'est pas trop mal. Hein. Je pense que des combats 3 contre 3, je vais faire une autre vidéo, et là je vais faire des 3 contre 3, ça sera peut-être plus intéressant pour ma classe qui est plus sur des dégâts de zone, etc. Donc je vous retrouve dans une autre vidéo tout de suite. Salut à tous, c'est Harmonium, nouvelle vidéo donc sur Blade & Soul, hein, édité par MCSoft, hein, le MMORPG qu'on avait vu la dernière fois, donc je suis toujours avec mon maître.